Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 13 août 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Retour d'abord sur le tiercé quarté quintée plus de la veille qui avait lieu ce mardi sur l'hippodrome de Deauville également. Sauzon, le numéro 8, fait sauter la banque avec l'aide de Fabrice Véron en affichant une très grosse cote à l'arrivée. Une fois encore, lors d'une arrivée extrêmement compliquée à déchiffrer, difficile pour la minute quintée de briller dans ces conditions. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, Marin 33 s'illustre de très belle manière. Alors certes, il ne donne pas les bonnes bases, mais il propose tout de même le tiercé quarté quinté plus dans le désordre, et nous le félicitons, ainsi que Lio de Lille et CDR 27 qui complètent le podium du jour. Allez, abordons désormais le quinté plus du jour qui se disputera en ce jeudi 13 août 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Le prix du Vieux Bassin, 7e course de la Réunion 1, n'est autre qu'un handicap divisé de première épreuve pour galopeurs de 3 ans. La distance sera longue de 2500 mètres et le terrain bon souple. 44 000 euros seront à se partager lors d'une course s'annonçant tout de même très ouverte. Arus, le numéro 9, est un représentant de l'écurie Victoria Dreams. Monté par l'expérimenté Gérald Mossé avec le numéro 3 dans les stalles, s'il peut sortir au moment opportun, il fera énormément de dégâts pour finir. Sous les nuages, le numéro 1 sera une nouvelle fois monté par Pierre-Charles Boudot. Venant de remporter son quintet plus, il va tenter d'aller encore plus vite que le handicapeur. Au 1000, le numéro 3 participe ici à son premier handicap. Piloté par Grégory Benoît et portant la casaque de Gérard-Augustin Normand, ce poulain perfectible peut gagner son quintet plus d'entrée. Bréhaute, le numéro 12, sera montée, elle, par Christophe Soumillon. Venant enfin d'ouvrir son palmarès, elle paraît encore perfectible et peut briller pour ses premiers pas à ce niveau de compétition. Morning Five, le numéro 13, est un élève de Frédéric Rossi qui ne sera pas toujours malchanceux. Avec l'aide de Maxime Guyon ici, s'il peut gicler au moment opportun, il sera redoutable dans la phase finale. Grand Geste, le numéro 8, présenté par Valdemar X et monté par Eddy Ardoin, participe à son premier handicap fort d'une dernière victoire très convaincante. En cas de non-partant, Sécu, le numéro 16, monté par Michael Barzalona et portant la casaque de Jean-Claude Serroule, peut introduire notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.